J'ai commencé par suivre quelques ateliers comme les blessures de l'âme, comment gérer le stress ou encore comment gérer la colère. J'ai découvert une équipe structurée ayant des relais en France et j'ai pu vérifier la solidité d'Écoute ton corps et la pertinence de la méthode. Et après ça, j'ai décidé de devenir étudiant pour profiter de toute l'aide complémentaire disponible. Et j'ai suivi tous les ateliers en allant à Bordeaux, à Toulouse, Paris, Lyon, Montpellier. J'ai toujours eu du plaisir à rencontrer les animatrices, que ce soit Françoise, Colombe, Lucie, Diane, toujours disponibles pour nous. J'ai connu Écoute ton corps par les livres de Lise Bourbeau. C'est ainsi que j'ai découvert qu'il était possible de suivre des ateliers qui avaient l'avantage de, pour moi de passer de la théorie à la pratique. Car jusque-là, lorsque je lisais un livre de développement personnel, eh bien, je restais sur ma faim. Je fais quoi avec toutes ces bonnes idées? Ce que j'ai aimé, l'ambiance dans les ateliers, sans jugement de valeur. Et en tant qu'étudiant, le soutien permanent de toute l'équipe, que ce soit en France, avec l'aide d'Anne-Marie, qui était ma consultante, qu'au Québec. Ce que j'ai le plus apprécié est d'être considéré avec indulgence et compassion pour la personne que je suis. Je me suis senti accueilli. Et j'ai toujours été libre de poursuivre ou non mon cheminement. Ce qui a changé dans ma vie, je suis capable maintenant de gérer mes crises de panique. J'ai pris conscience que ma plus grande peur, ce sont les imprévus qui me rendent extrêmement anxieux. Maintenant, quand j'ai une crise, j'arrive à, grâce aux outils, à y faire face. Et paradoxalement, j'ai de moins en moins de crises et elles durent de moins en moins longtemps. J'ai repris contact avec ma part d'homme, car j'ai été profondément marqué par le féminisme. J'ai sauvé mon couple. Et malgré mes profondes blessures d'enfance et de jeunesse, j'ai accepté que mon père vienne vivre chez nous. Par le passé, j'ai essayé plusieurs méthodes avant de connaître Écoute ton corps. C'est la seule qui, par sa structure, m'a permis de me soutenir tout au long de mon cheminement. Et ça, pour moi, c'était un point crucial pour pouvoir tenir. Et le plus surprenant, c'est que, ayant terminé mon cheminement depuis maintenant bientôt un an, eh bien, je constate que je fais encore des progrès. Alors, merci à toutes et tous et merci la vie.